Les stations fréquences, les mots sur 1351 tous de la part de Dandy 33. Alors on est le 4 août 2017 et c'est parti pour le QSO du canal 27 du Sud-Ouest. Oui Michel, affirmatif, les mots sont 1351 à toi, comment vas-tu? Je vais le rajouter de suite. Voilà, 33 pour moi. Voilà, ça y est, c'est réactualisé. Et oui, c'est vrai, j'ai pas l'indicatif demi. Ouais, et puis je vois sur le chat du WebSDR, ça crise un petit peu à ce niveau-là. Bon, allez, ok, d'accord. Je sais pas, peut-être qu'ils ont commandé des pizzas. Ils sont comme les belles dames, ils se font attendre. Ah, puis en plus, là, il a fait chaud aujourd'hui, hein, donc là, peut-être qu'ils se sont un petit peu, pour certains, laissés couler dans la piscine. Et malgré tout, il y a encore 29 degrés. Hein. Pourtant, là, il est 21h, 21h05 presque. 29 degrés, il y a quand même. Hein. Ah, quand même. Bah, de mon côté, c'est du 43, 53. Bon, ça va, je t'entends bien, hein. J'ai pas spécialement de QRM, là c'est bon, c'est QRO quand même de mon côté, hein. C'est tout bon. Hein. Ok, parce que tu penses que sur l'omnidirectionnel, ça passera pas? Ok. Ah oui, ben non, tout compte fait, reviens sur la directive. Là, c'est du... allez, on va dire Radio 3, Santiago 1,5, Santiago 2. Bon, ben d'accord, ok, j'ai compris. Ah ben voilà, là tu m'arrives, là, Santiago 3, là maintenant, c'est... ouais. Non, mais j'aurais pas cru, tu vois, quand même. Ah oui, donc pour ça, il faudrait que la verticale, que tu ailles la monter par-dessus la directive. Mais vu la directive que tu as, c'est pas possible. En avant le siffleur. Ok, j'espère sur module personne. Ouais, vu la foule qu'il y a, ah, chi, les 73 Daniel, ben ça va, là tu passes là de mon côté ce soir.
Là, tu passes assez bien même. J'espère que t'as pas trop de QRM là par chez toi. Bon d'accord, retourne Michel. Enregistrer le break. Ah, voilà Eric, les bonnes sont très 50 Eric. Bon, au moins peut-être que là, Daniel, t'arriveras à l'entendre. Retour Eric. Oui, Rémi, 63-51, 14-27, l'opérateur Eric, salut. Ah, Rémi, salut Michel, tour de contrôle, et puis salut Daniel. Et salut à tous les nouvelles qui sont à l'écoute, s'il y en a sur le WebGR, voilà, mais retour, Régis, tu vas tourner. Ok, re 73 Eric, retour sur Michel. Salut, bonsoir Eric, j'espère que ce soir tu m'entends, tu vas me le dire. Ouais, je t'entends aussi, mais c'est pas fort, mais je t'entends, il n'y a pas de souci, je te comprends. 73, oui. 73, mon petit Eric, mais vous savez, entre Rémi et puis vous, je suis obligé de faire le compte mal taillé, alors c'est pas évident. Non, non, je comprends, il n'y a pas de souci. Salut Daniel. Oui, bonsoir Eric. Ouais, ça a baissé un peu de mon côté, j'ai l'impression, là, c'est du Radio 3 Santiago 1. Ouais, je sais pas, ça navigue un petit peu. Mais bon, il passe quand même plus fort que d'habitude, là, de mon côté, là, Daniel. Ok, d'accord. Eh ben, j'ai hâte de voir ça un petit peu ce que ça donne. Ouais, t'as vu le SMS que je t'ai envoyé? Le triangle là, de fixation en bas, moi, à mon avis, tu ferais bien de le passer en plexiglas, un truc comme ça. Parce que dès que ça va prendre l'eau, ça va te foutre du tos à cet endroit-là, ça va pas être top hein, avec le bois. Hein. Tout à 25 et puis voilà, ça va faire mon
Ok, d'accord. Ah oui, pendant que j'y pense, pour moi, demain soir, changement de planning, je bosse maintenant. J'ai appris ça tout à l'heure. Bon, ben, pour moi, ce sera baisé pour le QSO de demain soir. Et puis, bon, pour dimanche, de toute façon, c'était déjà baisé pour moi. Retour, Eric. Ouais, ok, il n'y a pas de soucis. Voilà. Je ne sais pas si l'eau est derrière. Attends, j'y pense, pour ce que tu m'avais dit la dernière fois, pour moi c'est pas bon, hein, voilà. Donc je t'expliquerai pourquoi plus tard. Oui, je veux bien, parce que là pour l'instant j'ai rien compris. Je t'ai entendu, hein, il n'y a pas de souci. Putain, cette énigme. Bon, c'est pas grave, oui, ok. Ça sera avec plaisir, tu m'expliqueras plus tard, parce que j'ai rien compris, hein. Là, c'était pour la tour de contrôle, pour Mimi, j'ai dit pas Rémi, j'ai dit pour Mimi. Ah, ok. Ok, ah bon, alors si c'est pas possible, mais c'est pas possible que le tu. Enfin, Jeanne, c'est pas grave, mon pauvre Dieu, on peut pas toujours faire dans la vie ce qu'on veut. À titre indicatif, il faudrait quand même saluer la frontière franco-belge. L'opérateur Claude qui apparemment vous écoute sur le web SDR. Tous les bons chiffres à lui. Ouais. Oui, ouais. Oui. Salut mon voisin. Bonsoir à tout le monde. Rémi, Michel, Eric, le voisin, Daniel et puis tous les autres. Juste un petit passage pour vous saluer, si c'est Robert de Carignan de Bordeaux, là, retour Eric. Oui Robert, c'est un 13, écoute, j'espère que tu vas bien. Et que tu as passé une bonne journée. Voilà, je suis en compagnie de Michel, de Blaye, Daniel qui est sur Zelda, et Rémi qui est sur le GPH au côté de Lyon, bien sûr, la bataille de là. Dans le secteur de Barbac, voilà. Allez, retour Eric. Ok, les 73-51, bienvenue dans le QSO, content de ton petit passage. Eh bien, tout ça retourné, Rémi, hein, sans problème. J'entends tout le monde très très bien là sur mon QTH et ça fait plaisir de venir au salut, ainsi que le père Michel là-bas à la tour de contrôle. Ça va mon petit Michel, tu feras un gros bisou à ta dame. Oui, oui, ça va, on peut aller de toute façon, si c'est pour aller, ça va, c'est pour lui, hein, le plus dur. Dans la jambe, on fait avec ce que l'on a. Et puis, à mon âge, maintenant, on ne peut pas demander le possible. Voilà. Donc, je vois que l'ami Claude a répondu, je le remercie. Retour sur Daniel. Oui, je reprends. Ouais, excusez-moi, c'est Robert sur Carignan qui reprend là. Je pense que Michel a été mépris sur le prénom là, c'est pas Claude, c'est Robert. Ok Michel. Oui, oui, Robert, mais j'ai reconnu, il n'y a pas de problème, hein. Si vous le permettez, je vais en profiter pour vous faire saluer par une direction de question de Patrick. Et puis l'ami Michel de Toulouse, si vous ne l'avez pas ici, mais il va sûrement le faire verbalement. Roseline, à vous.
73, Michel de Toulouse, 73, 88 à Roseville, Eric sur Bordeaux, nous avons les unités. Ok, j'espère supporter les personnes. Ok, c'est bon, les 73 Michel, 88 Roselyne. Roselyne, une petite question. Est-ce que ce serait pas vous, des fois, qui me renvoyez une demande, là, sur Facebook? Car j'ai effectivement une Roselyne qui m'a envoyé une demande, mais bon, j'ai pas encore validé, car je suis pas sûr que ce soit vraiment vous. Ouais, Roselyne, c'est vous qui avez demandé une demande sur Facebook à la Mireille, vous demande. Ok, je validerai ça ce soir, cette nuit, il n'y a pas de problème. Merci. Ça lui permet de voir les vidéos, tu comprends? Ah bah oui, tu m'étonnes. Surtout que je vais en avoir là, une là, qui est en train de tourner là, en ce moment. Plus un petit montage avec superposition de vidéos. Et maintenant que je sais faire, si j'en profite. et puis voilà quoi. Et puis en plus comme ça, pour avoir en même temps les deux vidéos du week-end, la grosse là du salon là qui fait quand même 2h30. L'autre où je me suis un petit peu lâché dessus grâce à Anthony de la façon dont il a été avec sa vidéo. Là, qui est pas mal à voir aussi, là, pour voir un petit peu l'ambiance qu'il y avait. Et oui, non, mais ok, il n'y a pas de problème, je validerai ça un peu plus tard, enfin, dans la soirée. Rémi, tu regarderas. Anthony. Il y a une question, là. Excuse-moi, Anthony, je t'ai rallongé, je t'ai agrandi. Putain, mais des fois, ça bug, hein. Bon alors, Eric, est-ce que tu as fait des courses là au salon de Marraine, là, qu'on en parle un petit peu quand même? Des courses? Non, je n'ai pas fait des courses, moi. Non. Ah bon? Ah, pourtant, il y avait du matériel. Hein. Il y avait, que ce soit en petit, en poste CB, comme en décamétrique et tout ce qui s'ensuit, antenne, là, il y avait de quoi faire, là. Ouais, mais c'est tout ce qu'il faut. Moi aussi, je me suis trouvé des petits adaptateurs, un petit comme ça, mais c'est tout ce qu'il nous faut, moi, je ne veux jamais rien d'autre. Hein. Ok, bon moi en tout cas j'en ai profité un petit peu, puisque ben, pour le coup je suis revenu avec 6 postes supplémentaires, plus une petite antenne, un petit filtre passe-bas, deux tosmètres. Au niveau des postes, bon c'est en poste CB, hein, j'ai ramené quoi? J'ai ramené un petit Midland 7714. Un petit Tagra, pareil, 77-99, c'est le genre de ceux qu'on trouve là un peu dans les 4x4. Qu'est-ce que j'ai ramené aussi? Un Midland 2001, un Président Valérie, un JFK, alors je ne l'avais pas encore celui-là, bon je suis bien content d'avoir trouvé un, et un Eurosibi océanique. Bon, voilà ce que j'ai ramené, quoi. Ah oui, et puis l'antenne aussi, une Tagra 5/8 noire. C'est les grandes torsadées noires. Alors, j'étais content de la trouver, celle-là, parce que c'est la toute première antenne de CB que j'ai eue, là, en 82, quand j'ai commencé. Hein. Les moules, les YL, tout y est passé, hein. Hachi. Retour Eric. Oui, et puis là j'entends, je viens d'entendre parler à l'instant là. Oui, le siffleur. Ouais, mais s'il siffle simplement pour appeler.
petit passage de Loulou, là, qui est le routier qui nous faisait un petit coucou sur le 275, là, sur le téléphone national. Il est sur Bordeaux, là, il réside sur Bordeaux, et je crois qu'il va venir vers 21h30 aux alentours, ces eaux-là, il m'a dit de venir nous faire un petit coucou. Ah ben c'est sympa ça. Daniel, t'es toujours là? Oui, je suis toujours là, mais j'ai eu par la fois de QRM, hein, donc je vais sur la base, je vais être un petit peu en régie sur le VR, mais c'est tout. Hein. Ok, ok, vas-y, retour sur le VR. Oui, oui, je suis là, mais il y a une personne qui vous break derrière, là, depuis 2-3 minutes. On va laisser un blanc, on va laisser rentrer. Eric Rémi, là, il y a Pascal qui est derrière là, qui vous envoie les bonnes amitiés, 14 ODR 001, Pascal, voilà, retour Rémi. Ok, ben ouais, j'ai essayé de le clarifier un petit peu. C'est vrai que c'est très 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 QRP là de mon côté, c'est vraiment à peine audible. Hein. Voilà, merci de QSP, parce que là j'avais pas du tout reconnu. Les 73-51, toi Pascal, 14 ODR 001, de 14 ODR 002. Ah ça va mieux. Ah, ça s'est un petit peu amélioré, là, sur le dernier passage. Quand tu seras rendu sur le pont d'Aquitaine, serre bien le frein à main et reste dessus, là, en plein milieu, c'est le meilleur emplacement. Hachi ! Où est-ce qu'il est, là ? Sur la banlieue de Bordeaux. Je ne l'entends pas du tout. Ah, justement, tu as une question à lui poser, ça tombe bien. Tu l'as posé pour moi, j'ai vu sur Facebook, mais j'ai toujours pas eu ta réponse. Eh ben voilà. Comme je l'entends pas, ça va être dur. Ok, oui, vas-y Pascal, retour de micro. Bah oui, alors, Orcali, sur le pont d'Aquitaine, ouais, ben Loupé, j'étais dans l'autre sens. Ah si, voilà, mais je vais m'approcher, alors ça va être de mieux en mieux, voilà. Ok, bah tiens, sur les hauteurs de Lormont, de ce côté-là, là, ça serait pas mal, quoi. Là, t'aurais un beau QTH, ou, ouais, bah ouais, dans ces environs-là, ça serait pas mal, quoi. Ok. Ok, retour à toi, Michel. Ah, mais oui, je connais. Affirmatif, les 73-51 Doudou 33 de la part de Dindy 33. Voilà, QTH à côté de Castillon-la-Bataille. À côté de Saint-Magne de Castillon, pour être plus précis.
Ok, merci. Ben, je suis pas tout seul dans le QVSO. Je vais faire un retour du micro sur Daniel, si tu arrives à m'entendre. Et si tu arrives à entendre Doudou 33, vas-y Daniel. Ok, retour Pascal, si tu arrives à sortir Doudou 33. Ok, ben je lui envoie les bons 73. Ben ça fait plaisir de l'entendre. Ben ouais, c'est la première fois que je l'entends en fréquence. Donc ben, c'est sympa, voilà. Retour à lui s'il m'entend. Ah, mais là, tu veux pas voir le temps de l'entendre, hein, Pascal, il n'y a pas de problème. Ah, ben moi, je vais le sortir. Hein. Pascal, oui. Au niveau du poste, peux-tu te mettre sur le 27275.1 tu as exactement le même décalage en fréquence que moi quand je suis sur le 7009. Voilà, 27275.1. Eh oui, c'est comme n'importe quel poste. Quand il y a un modèle qui a un petit chouïa de décalage, c'est toute la série qui a le même décalage. On voit ça avec le 6009, le 9009, et bien le 7009, c'est pareil. Si on veut qu'ils soient sur la bonne fréquence, et bien il faut qu'ils soient tous sur juste 100 kilos au-dessus, et puis après c'est bon, c'est tout bon. Voilà, là comme ça c'est mieux. Putain, tu m'étonnes, je peux même enlever le clarifieur de mon côté. Hein. Retour Michel, pour que tu me dises ça. Ah oui, c'est mieux, je joue avec le bouton, mais là, il n'y a plus besoin de jouer avec le bouton. Merci Pascal. De quel bouton tu parles, Michel? C'est ça, la dernière fois, j'étais au salon, et je lui ai demandé, je lui ai dit, bah, ça trouve, faudrait que je passe sur le mien, et ben voilà, c'est fait. Ouais, voilà. Michel, de quel bouton tu parles? Je suis trois coups. C'est une fermeture éclair. Je m'en doutais. Ah, mais il les a jetés peut-être déjà. On a collectionné le pense, 3, 4, au premier temps de mon heure. Il y a des chances. Ah ok, je crois que quelqu'un a repris le micro. Alors, en tout cas, là de mon côté, là, avec les 6 postes là, de rentrée, je vais voir là, ceux qui fonctionnent. Et tous ceux qui fonctionnent, ben, je ferai une petite vidéo là avec de démonstration du poste. Ce sera bien sympa de rajouter ça là sur YouTube. Et puis voilà, quoi, comme j'ai fait là, avec les autres postes. Ouais, moi je suis assez content quand même. En plus de ça, l'OM a encore un autre poste à me montrer. Je sais plus le nom, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera de revoyure à Radio Broc. Et pour les deux petits là, d'Irlande et les petits agras, là, je verrai ce que j'en fais par la suite. Si je vois qu'ils fonctionnent vraiment bien, ben, peut-être que je les revendrai, ben, sinon... Sinon, non. Enfin bon, bref, ça reste à voir. Bon, il a mis du dos, il est à Néo. Ouais, ça passe quand même, c'est très QRP, ça chevrotte un petit peu à cause, parce que là j'attrape vraiment les pointes, hein. Mais je l'entends quand même. Ok, bon, par moment, tu m'as fait du Radio 3, Radio 4, même Santiago 2 maximum. Tu vois, comme quoi, eh ben, toutes les installations des 1000 pattes sont pas toutes pourries. Ah, chie. Non, je suis mauvaise langue, je te taquine. Retour du doute en droit. Bon, ben, retour Pascal.
trop de monde sur la route à ce heure-là. Là, j'étais en train de regarder en même temps sur le web SDR, tu ne laisses aucune trace dessus. As-tu passé inaperçu? Ah si, j'ai pas monté le son pour pas qu'il y ait d'effet d'écho ou quoi que ce soit. Mais je suis un peu étonné parce que pourtant je t'entends bien au QIRA. Et j'ai pas vu, quoique moi non plus je laisse pas beaucoup de traces dessus. Hein. Ah, ça y est, vous arrivez à vous entendre. Bon, Pascal, tu es Eric, là, en fréquence. Si tu veux lui répondre à sa question, là, sur quand tu passes. Oui, alors, s'il arrive à me chauffer, là, comme je suis, je le dirai quand je suis en fréquence un peu plus haut, là, pour lui qui m'entend bien. Ah ok, Pascal, tu te rapproches de... Ah mais attends, tu étais où, Pascal? Je te croyais sur Bordeaux. Et non, je suis plus sur Bordeaux, comme je te l'ai dit, hein. Je suis plus sur Bordeaux ni sur Bergerac. Hein. Je sais plus. Ok, mais je sais plus. Bon, ok, je fais le QSP. Eric, Pascal n'aura pas le temps de passer. Quelqu'un de son rang, de son niveau, un patron, Hachi, c'est un emploi du temps très 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 serré. Il a essayé de convaincre sa secrétaire de venir te voir, mais elle n'a pas voulu venir. Ok Daniel, il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas, ouais, mais je ferai le QSP, voilà, mais bonne soirée Daniel, et puis À la prochaine, avec plaisir. Ok Daniel, bon et là je sais que tu m'entends pas, les bons sont très 51 à toi, merci d'être un petit passage sur le QSO, et à la prochaine. Donc pour info Daniel, tu n'entends personne, donc voilà, c'est pas évident pour la radio comme ça, donc il envoie les amis à tout le monde. Ah 73 Daniel, 73. Putain, il passe bien là. Ah tranquille, là, je viens de monter sur la 10, là, direction Bordeaux, là. Et puis direction à ce stade, là, pour guider, là, tranquille, tranquille, hein. Justement, j'allais dire tout à l'heure qu'il s'avait eu dans la matinée, là. Mais tu vois, j'ai même pas eu le temps de le dire, bah, nickel. J'avais fait le QSP, il n'y a pas de problème. Allez, Doudou, je te ferai passer la vidéo sur Instagram, là, avec, avec la vignette, là, du QSO. Ah chi. Voilà, bon, ça devrait être bon. En plus, ce soir, il va falloir que je me décale. Donc là, je vais largement avoir le temps de m'occuper de ça. Et je te ferai passer ça. Et tu verras, hein, malgré la distance, parce que là, je suis 12 km après Saint-Émilion, 5 km à côté de Castillon-la-Bataille. Donc, autrement dit, à côté de la frontière là, de la Dordogne. Et ça fait une belle petite route par rapport à toi. Hein. Ok, bon, de toute façon, et puis pour ce que je lui ai dit, bah, il l'aura dans la vidéo, il n'y a pas de souci. Vu qu'il y a un petit peu de monde, là, je laisse courir la caméra un peu, là. Vous avez la Moselle qui vous salue aussi, et puis vous saluez Jean-Claude, oui, c'est Jean-Claude, Claude, de la frontière belge qui est passé aussi.
va pas trop mal. Voilà, retour à toi, Rémi. Et oui, voilà, ok, et le patron du web SDR, il est où? Il n'est pas là? Il se fait désirer. Aussi, Eric, il a dû faire le coup du père François. Et oui, justement, je ne sais pas si tu as vu, Michel, sur le salon, on a eu une prière de la part d'un prêtre de l'Ontario, là, du Canada, là, pour nous faire venir la propague. Mais le problème, c'était, il n'a pas compté le décalage horaire qu'il y a, ce qui fait que ben, la propague, on ne l'a pas eu aussi vite qu'on le voulait, quoi. Ouais, merde, je ne sais pas où il était placé, Daniel, avec sa voiture. Moi, je peux vous dire qu'il passait super, ouais. Daniel, avec sa voiture, il était avec, avec la station là, pour expédition que j'avais mis là, en place là, sur le, directement sur le stand là, du salon. Ah bon, bah, ça, apparemment, il n'entendait pas assez de Bordeaux, c'est vrai, mais moi, il me faisait du 54-55, même il y a des boîtes un peu plus fort, hein. Ah, et puis c'était clair, hein, mais... Ouais, ouais, mais alors par contre, là, cette année, on s'est retrouvé avec un gros QRM. Alors, je me demande si c'est pas les nouveaux néons, là, qu'ils ont mis en place, là, directement dans la salle, là, qui sont en forme de cerceau, là, qui doivent parasiter un maximum. Parce que les années précédentes, on n'avait pas ce problème. Eh bien, il fallait leur demander de les éteindre pour s'en parler. Ah, pourquoi? Ah, j'ai entendu quelqu'un derrière. Oui, en avant. C'est peut-être accueilli ce parallèle. Vous avez les 73-51 de la famille de Nantes, notre cantine cariste. C'est une de ses nouvelles, il va avoir les amitiés à tout le monde. Hein. Hervé, les 73 ont tourné à lui. 73 ans. Ouais, ouais, non, mais c'est nous aussi ça, hein, voilà. Il n'est pas. Bon, il peut être à l'écoute ce soir, mais. Ok, merci. On est là, marqué sur le chat aussi. Bon, je ne vois pas Fredo là ce soir. Alors ça, faut demander ça au président. Retour Pascal. Ben disons que là, j'ai pas vu. Pour moi, il est encore inaudible. Hein. Ok, Pascal, il était absent, même s'il était présent. Donc, il n'est pas au courant de tout. Hachi ? Non, je déconne. Il a du mal à t'entendre, là, pour le moment. Ouais, Pascal, Michel te demande, est-ce qu'il y a une QSL manager de fête, justement, là, pour l'expédition là, qu'on a eue, là, sur le salon, là, sur le stand ? Retour Michel, s'il y a du nombre, pourquoi pas? Voilà la réponse. Ah mais si tu regardes sur le chat, c'est la deuxième fois qu'il y a quelqu'un qui demande à avoir une QSL, il a même donné. Il y en a un qui a même donné son adresse pour lui envoyer. Ah ouais, je m'en souviens. Ah d'accord, quand même. Ouais, parce qu'elle s'en souvient. Bon, tu es où là, Pascal, maintenant hein? Ben là, j'arrive à Patin-des-Grands.
Putain, Santiago 7. Hein. Tu vas sur Bergerac, tu vas l'entendre quand même. Tu m'étonnes. Santiago 7, ça m'a mis beaucoup. Allez, retour Pascal. Attends, je suis un peu noyé dans les QRM là. Ouais, c'est ça, Santiago 7, Radio 5, Santiago 7. Ok, ton QTH Pascal. QTH, ça doit être Castillon là, je pense. Ah oui, d'accord, les QRM, j'aurais dû le deviner quoi. Ouais, il est du côté de Castillon. Ok, merci. À la louche, il est à 5 km. Et voilà, je viens de Villeneuve sur Lot. Voilà, il vient d'arriver à Villeneuve sur Lot. Donc oui, il s'en va du côté de Bergerac. Négatif, je viens de Villeneuve sur Lot. Ah oh, putain, waouh. Pascal, parce que moi il m'entend pas et moi je sais pas si je l'entendrai pas non plus. Il n'a pas eu le temps de passer me voir, mais pourtant il était en stand-by sur la rocade bordelaise aujourd'hui. Hop, il y avait quelqu'un qui a parlé derrière aussi. Pascal, t'as eu le temps de traîner sur la rocade bordelaise, t'as pas le temps d'aller voir Eric. Ah chi, QSP fait, et j'ai entendu quelqu'un parler derrière. Affirmatif, en avant la station avec les bonnes 73 là, de toute l'équipe là, du QSO du canal 27 du Sud-Ouest. Bon, à tous les coups, c'est quelqu'un qui était en train de faire un QSY, qui est tombé là, qui a vu qu'il y avait du monde, paf, ils sont partis ailleurs. Alors de mon côté, j'ai pas senti grand chose. Vu la modulation, c'est doudou 33, ok. Eric, je sais pas si tu l'entends mieux que moi, mais j'ai rien compris de mon côté. Ouais, doudou, normalement, d'un côté comme de l'autre, ça doit pas bouchonner. Hein. Donc tu seras pas emmerdé pour aller sur ces tasses. Hein. C'est bouché? À 10h moins un quart, c'est bouché sur la rocade. Putain la vache. Ah bah oui, des touristes. Putain, oui, d'accord. Quand on vient sur Bordeaux, c'est obligatoire. Ben, je crois que tu vas pas avoir le choix de nous, il va falloir que tu patientes. Hein. Ben, le problème, c'est que je suis à 4h38 là, dans 23 minutes là, il va falloir que je rentre là, et je suis bloqué sur la route, alors je vais me mettre juste en haut, il va falloir que je trouve un endroit pour me garer tranquillement là, pour faire une demi-heure de coupure, parce que sinon je vais plus haut sur mes heures. Ah oui, d'accord. Putain, il y en a qui ont de la chance de pouvoir voyager comme ça. Hein. Et en plus, payer pour être voyager, putain, mais c'est le rêve. Ah, chi. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est un moyen de voyager, c'est clair.
Ah oui, c'est vrai que c'est vrai que ça m'aurait bien plu, quoi. Ah, ok, oui, d'accord, ok. Oui, merci Michel. Je ferai suivre à Pascal. T'as raison Michel, on a beaucoup de considération. Affirmatif. Roseline, si tu es derrière, j'y viens de valider là, côté Facebook. Oui, elle est derrière. Ok, Pascal, je te fais le QSP en message perso sur Facebook là, pour l'adresse email. Ok, pas de problème. Oh putain la vache! Je crois qu'il y a une voiture qui doit être en train de reculer chez moi. 9 plus 50. Ah bon, ben là, pendant que je suis en hauteur, là, je vais envoyer quand même les bons 73 à tous, là, au petit Michel que j'entends depuis tout à l'heure, là, en venant, là. Eric, il n'y a pas de problème, mais bon, je vais voir si je peux pas faire, si je peux pas faire un effort demain. L'inconvénient, c'est que je suis à Villeneuve-sur-Lot, chez ma fille, et donc... c'est pas évident de pouvoir me libérer, quoi. Faut que j'arrive à faire plaisir à tout le monde, quoi. Surtout de la famille. Ouais, ok, Pascal, pas de soucis. Mais moi, ça m'arrange pas non plus, puisque c'était prévu au mercredi ou jeudi. Il y avait une fonction de 12 jours. Moi, maintenant, moi aussi, j'ai mes obligations. Ah oui, mon type de mère, eh ben ouais, ben bon, c'est pas grave, hein, c'est pas la minute, hein. C'est pas perdu, on va dire. Hein. De toute façon, bon. Je vais voir, là je sais que bon c'est pas évident de faire plaisir à tout le monde, surtout du côté de la famille, hein. Ouais, je te comprends, pas de soucis, mais moi là maintenant, pour la fin de semaine, c'est pas possible. Hein. Alors ce week-end, moi je suis plus là. Hein. J'avais que 2 jours, ce midi, mercredi, jeudi. C'est pas grave, hein. De toute façon je devrais revenir dans le coin. Des petits trucs, et donc bah, non mais t'inquiète pas, hein, Eric. Ok, je crois que t'as quelqu'un d'autre derrière qui parle. On est là, le Pascal il est monté sur la manche de Michel, non? Non, c'est une petite butte qui va bien là, à côté des vignes, et puis franchement c'est le top là, il y a une super vue, coucher de soleil, et puis voilà, bon il n'y a pas de nana, mais bon il manque la plage, mais sinon c'est au poil. Hein. Oui, j'ai entendu quelqu'un parler. C'est bizarre, la modulation me dit quelque chose pourtant. Enfin bon, passons. Ouais, j'ai compris. Non, négatif, beaucoup plus loin. Parce que d'où je suis, je l'avais un signal de 3, tu vois. Non, c'est direction sud. Ah, ok. Voilà, c'est pour ça que... Allez, on passe à autre chose de plus intéressant à Achille.
tiens, te revoilà, Doudou 33. Bon, ben, as-tu trouvé un endroit pour te garer? Ah non, 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 là, je roule, là, j'ai réussi à suivre un petit peu plus chaud que Ok, retour Pascal. Ok, ben là je te capte super bien, ben, je t'envoie les bons 73, hein, et puis ben, ça fait plaisir, comme tu disais, de te voir en fréquence. Voilà, retour. Ah, Rémi, il faudra peut-être faire le QSV parce que peut-être qu'il m'entend pas. Alors là, s'il ne t'entend pas, là je comprends que dalle. Pascal, attends, je te repasse le micro. Je vais faire un petit suivi en même temps vidéo là sur le chat, sur le pas le chat, mais sur le web SDR. Ok, je regarde si il faut y en prenez pas. Ou alors il est passé dans un trou qu'il n'arrive pas à nous avoir. Oui, pour en revenir, Michel, ouais, je me souviens qu'il y en avait un qui avait demandé une QSL. C'est vrai que dans la voiture, en pleine nuit, j'avais rien eu pour avoir l'adresse, mais il n'arrêtait pas de, je me souviens, il n'arrêtait pas de demander une QSL, envoie-moi une QSL et tout ça. Je me souviens de lui comme ça, mais même pas, je me rappelle même pas son indicatif. Oui, mais il a même mis, parce qu'il fait partie d'un groupe comme nous, et il a mis sur Facebook pour aller voir. Il a tourné l'antenne. Michel, t'as dû tourner l'antenne. Michel, est-ce que t'as tourné l'antenne? On t'entend pas, quasiment plus. Enfin, pour ceux qui m'entendent, hein, au cas où, s'il y en a qui veulent des QSL, ceux qui sont déjà faits, bah, ça attire pas. À mon avis, c'est peut-être un échange de QSL qui voulait parler. Oui, 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 mais justement, hein, le truc, si j'en avais, si c'était comme ça qu'il voulait, bah, à la limite, moi, j'en envoie une. Hein. Si j'ai l'adresse, il n'y a pas de problème. Mais il avait, je vous rappelle qu'il a, je ne sais pas si c'était lui qu'on a vu un soir, et il n'arrêtait pas de demander des QSL, des QSL et tout ça. Ah oui, ok, compris. C'est vrai qu'on aurait pu faire des QSL, par exemple, salon, spécial salon, ou alors au terminus. Ah, j'ai entendu parler, oui. Voilà, c'est Michel qui revient, là, qui a retrouvé le bouton pour tourner l'antenne. Ça avait l'air QRP de mon côté. Hein. Qu'est-ce que t'as fait, Michel? T'as tourné l'antenne? Non, on l'a perdu. Ouais, il a dû avoir un petit souci, là, à la station. Et le problème technique. Le technique, ok. Les aléas du direct, Hachi. Tu comptes descendre boire un café à la maison, Pascal? La porte est grande ouverte, hein, de toute façon. Ok,
Putain, je me rends compte en même temps. Ben, c'est bien pratique là. Dès que t'es garé, tu m'appelles, je te préviens. Depuis la station, je t'allume la lumière de dehors. Rien qu'en appuyant sur la pédale des micros. Ah ouais. Ça roule. Ah, je suis.